pourquoi des soldats des guerres mondiales errent encore sur la grève, un siècle après leur mort. Si je ne m'abuse, l'âme des morts n'est pas censée s'attarder. La grève est juste un lieu de passage, un couloir qu'elle doit traverser pour atteindre l'autre côté. Mais si le regret, le ressentiment, un désir irrépressible de ne pas s'en aller, si ces sentiments sont suffisamment puissants, ils doivent être en mesure de générer une grève totalement différente, un purgatoire collectif pour une armée d'âmes damnées. Clifford Unger. Son profond désespoir et sa haine, combinés avec votre bébé qui a, lui, joué le rôle de catalyseur, ont fait naître ces champs de bataille dans notre monde. 2 minutes avant arrêt cardiaque. Ça doit être vachement handicapant quand même dans la vie de tous les jours. T'as 20 minutes pour faire ton affaire et puis après, vous croyez que faire une pause. Qui tire les ficelles de Cliff et des autres. Assurez-vous d'être dans une position stable. Je n'en sais rien. Mais les preuves indiquent que c'est bien à cause de Higgs qu'ils sont ici. Même un mini-stream comme celui qu'on fait là, on pourrait pas le faire. Une session de 20 minutes. Ah, avant que j'oublie, vous pouvez me rendre service ? Activation des mesures de sécurité. Vous voulez bien vous détendre jusqu'à mon retour ? Le temps s'arrête sur la grève, mais pas dans l'abysse. Et rassurez-vous, ça durera seulement 3 minutes pour vous. Nous reprendrons juste après. Il a failli oublier le sablier. Après, je pense pas que le sablier soit connecté à la machine et que ça vienne à l'empêcher de faire quoi que ce soit. On n'est pas là. Alors, bon, en attendant, que se passe-t-il ici hein. Zoom avant, zoom arrière. R3. D'accord. Et hop. Je peux... Je suis assis, mais je peux vraiment me retourner comme je veux. Ah, on reçoit des likes en regardant les trucs. Minerai inconnu récupéré dans un cratère créé par une néantisation. Incroyable. J'ai trouvé les bons objets pour recevoir des likes de la part d'Artman. Modèle échoué, impression d'artiste, deuxième rencontre. Illustration d'échoué, impression d'artiste, troisième rencontre. Impression d'échoué, impression d'artiste. Crystal Chiral, période successive ODS, Death Stranding. Cryptobiote, découvert juste après le Death Stranding. On va le faire avec un truc. Une vieille platine. La fille de Hartman. Entrée de famille de l'ancien temps. Défibrillateur, compliqué à dire, visiblement. Moniteur cardiaque, protecteur de la vie. Bridges, bâtir des ponts vers l'avenir. Le sablier qui râle, arbitre de la vie. Ils se prennent deux petits délires poétiques au passage. Dépouille de mama. Terrible. Ça fait mal. Y'a du tout sur ça? D'accord. De toute façon qu'on a fait le tour. Hein. Toujours plus de modèles d'échoués hein, dans tous les sens. Oh la vache! Oh! Squelette de baleine. C'est trop fait là, non? On s'en fiche. Tente des trucs, hein. Il en reste de likes. Bon, on a fait un bon petit tour quand même.
Bravo, vive nous. Toujours pas. C'était la visite numéro 218550. Oh, désolé. Où est-ce qu'on en était? Je suis habitué à ces cycles de 21 minutes. Mais pour une toute première rencontre en personne, il y a bien trop de sujets à aborder pour tenir en un seul cycle. Sans deck. Ça va pas être facile de vivre comme ça. C'est sûr. Mais ça va. Maintenant que je suis bien rodé, c'est pas spécialement contraignant. Défécation, ablution, nutrition... La plupart de nos besoins fondamentaux sont assez faciles à satisfaire en l'espace de 21 minutes. Pour dormir, c'est plus compliqué. Ouais, j'étais en train d'y penser. Les relations, j'imagine, verbales ou physiques. Mais étant donné ma position, je n'ai pas vraiment à m'en soucier. Vous voyez ? Est-ce que vous aimez lire ? Vous aimez la musique ? Vite, donnez-moi de l'information. Vous savez, je dois m'occuper l'esprit. J'ai une collection plutôt variée de morceaux, d'émissions de télé, de courts-métrages particulièrement intéressants, et de nouvelles. Le tout pouvant bien sûr être apprécié dans un créneau de 21 minutes. Mmh. Tout date d'avant le Death Stranding, évidemment. Mais honnêtement, les 21 minutes que je passe ici... Ce n'est qu'un temps mort, rien de plus. Un temps que je passe à attendre de reprendre mes recherches. Mon corps a beau être présent, mon âme se trouve sur la grève. Je suis déjà mort. Je connais ça par cœur. Ma famille est morte dans un accident. Ah, plus d'infos sur Sam. Je ne m'attendais pas à vous entendre vous confier comme ça. Il n'arrête jamais, lui, hein. Il se trouve que j'ai lu votre dossier, et que, donc, je connais votre histoire. Je suis comme vous. J'ai perdu ma famille dans un accident. J'étais en soins intensifs pour une opération du cœur, loin de chez moi, dans une ville voisine. Quand les médecins ont confirmé que j'allais m'en tirer, ma femme est retournée chez nous, avec ma fille, pour me rapporter mes affaires. Ce qui est très gentil de et sa part. Elles ont été prises dans la néantisation. Ah bon. La ville et l'hôpital ont été relativement épargnés, mais l'onde de choc a coupé le courant. Ainsi que mon respirateur. Je me suis réveillé sur la grève. Oh la vache. On est censé avoir tous une grève différente, mais j'imagine que quand il y a des énormes événements comme ça, il y a tellement de gens qui sont connectés malgré les eux. Gens que... qui avaient péri dans les deux néantisations et tout cela. Ouais. Ça fait ce genre de choses. Hein. Les schtroumpfs en balade. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme et ma fille marchaient parmi les autres dans cette procession. Hé hey, c'est moi! Où est-ce que vous allez? Attendez! Il est en train d'être sauvé, non? Non! Ne partez pas! Pitié! Ne partez pas! Le générateur de secours s'est vite mis en route. Et j'ai pu être ramené à la vie par le défibrillateur. Exactement 21 minutes après que mon cœur s'est arrêté. C'est la dernière fois que j'ai vu ma famille. C'est à cause de mon cœur que nous avons été séparés. Mais c'est aussi grâce à lui
que je les reverrai un jour. C'est ce qui me définit. Je suis Hartman. Depuis ce jour, je m'aventure sur la grève des autres. Je suis les traces laissées par ma famille, autant que je le peux. Et quand je n'y arrive plus, je reviens ici et je reprends mes recherches. Mais bizarrement, même quand mon cœur ne bat plus... La PS4 est en train d'exploser à côté. Hein. ...subsiste. Vous avez des photos de famille, Sam ? Dommage. 5 minutes avant arrêt cardiaque. Ça vous ennuie de me dire ce que je fais là, avant de retourner sur la grève ? Pas du tout. Une station est détenue par des preppers dans cette zone. Notre équipe de scientifiques, en poste là-bas, étudie des éléments antérieurs au Death Stranding. Des éléments de quel genre ? La Terre a une mémoire d'éléphant. Les multiples strates qui la composent racontent une histoire qui remonte à l'aube des temps. Et même le Death Stranding n'a pas pu l'effacer. Ces scientifiques sont en fait des collègues de l'équipe de l'expédition précédente. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que vous les intégriez au réseau Chiral. Amélie pensait que nous devions installer nos postes de recherche à cet endroit, le long de cette ceinture. Des fouilles ont été menées à divers endroits du monde entier, mais c'est la seule région où l'on a découvert des fossiles de la fin du Crétacé. Quand les dinosaures ont disparu. Notre théorie est donc que les derniers d'entre eux ont vécu ici, et nulle part ailleurs. Voyez-vous, profondément enfouis dans le sol, il y a des traces d'une extinction de masse qui a marqué l'histoire. Des indices qui pourraient nous dire comment survivre à notre situation. Je suis sûr que c'était l'espoir qu'avait Amélie quand elle a décidé de faire installer notre équipe de secours ici. C'est le passé qui façonne le présent, et c'est aussi lui qui nous aide à bâtir l'avenir. Elle a pris soin de bien nous le faire comprendre avant de partir pour l'Ouest. 3 minutes avant arrêt cardiaque. Ah, mais la ferme ! Je vais couper le son pour la peine. Quelque temps plus tard, on a commencé à voir une activité inhabituelle. Il risque de louper. Il va s'évanouir au milieu de la pièce. Des quantités ahurissantes de poids ont commencé à gagner la surface et à s'étendre, absorbant sur leur passage bon nombre de mes collègues, ainsi qu'une station Chiral. On n'arrivait pas à trouver la moindre explication à tout ça. Et vous pensez que c'était Higgs ? Je n'en sais rien, mais nous avions besoin de cette station. Elle était vraiment essentielle pour l'extension du réseau Chiral vers l'ouest. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre aide, pour en bâtir une nouvelle. Ce ne sera pas grand-chose, rassurez-vous. Vu le peu d'équipement que nous avons réussi à rassembler, ça n'aura rien à voir avec les villes relais, ça c'est sûr. Enfin, relais reste un relais. Sam, je veux que vous connectiez les scientifiques au réseau avec votre Cupidon, puis que vous rejoigniez Amélie. Après quoi, nous pourrons reprendre notre tâche essentielle, les recherches sur le Death. Ah, mais tout le sol est prévu pour, bien vu mon gars. Bon, il n'aura pas à réactiver son sablier, hein, par contre. Bon, Sam, par contre, à côté. Ce sol spécial amortit la chute. Allez, je vous ouvre la porte. Bon, ça reste dangereux quand même s'il se cogne, par exemple, sur la table où il y a le cadavre de Mama ou des trucs comme ça. Oh, il est trop gentil. Trop gentil, Sam. Oh, il s'est fait un petit plaisir. Petit plaisir de Sam. Les abrutis. Sam, vous l'avez entendu. Quoi ? Vous pouvez prendre la commande au terminal de livraison. Ils m'ont tout enlevé. J'ai des tests. Je les exècre. Ils m'ont enlevé ce que j'avais sur le dos, je sais pas pourquoi. Je suis à la combinaison. Ok. Alors. Notre objectif final.
original dans cette région est de construire une nouvelle station pour remplacer celle qui a été engloutie dans la poix. La première étape consiste à relier au réseau chiral un abri où se trouvent nos scientifiques. Mmh. On n'a absolument aucune idée de l'état dans lequel se trouve Amélie, ni de ce que prépare X. Mmh. Et vous pouvez me croire, ça nous inquiète tout autant que vous. Mais on n'en saura pas plus avant d'avoir atteint la ville relais frontière. Et pour ça, on doit commencer par connecter cette région. Vous devriez commencer par le géologue et le paléontologue. Ce dernier détient quelque chose à remettre à la biologiste et vos dévots. Je vous conseille donc d'aller la voir en dernier. Comme ça, vous pourrez terminer une livraison et rallier le dernier site en un seul voyage. Quand ils seront tous les trois connectés, revenez ici. On pourra se mettre à travailler sur le remplacement de la station perdue. Très bien. C'est noté. Ça fait sens. Il y a ça et il y a ça. Ah, mais je vais me taper les 80 kilos par contre. Mais bon. C'est la vie. Des risques d'échouer. D'accord, super. Là aussi. Alors. Voilà. L'un de nos géologues étudie en ce moment les fossiles dans le cadre de ses recherches sur les causes des grandes extinctions préhistoriques. Ça fait maintenant un bout de temps qu'il a débuté ses fouilles. Mais il commence à subir les effets de la contamination chirale. Oh non! Elle est sans doute due à une exposition excessive au chiralium pendant les fouilles. Tant que le chantier ne sera pas décontaminé, il ne pourra pas poursuivre son travail. Ni recouvrer la santé, malheureusement. Il faut donc lui apporter des produits permettant d'éliminer le chiralium. Mmh. Défibrillation, merci de vous écarter. Ça y est, Jean-Jacques est réveillé. La strate que le géologue analysait date de la fin de la période du Crétacé. C'est l'époque de la tristement célèbre extinction de masse qui mit fin au règne des dinosaures. Après quoi, les petits mammifères héritèrent de la Terre. C'est la plus récente des cinq grandes extinctions et l'une des plus importantes que le monde ait jamais connue. En tout cas, il dit avoir découvert quelque chose de remarquable. Essayez de deviner. Une grève fossile. S'il s'agit bien de ce qu'il croit, alors en effet, c'est une découverte extraordinaire. Et donc, Sam, il faut absolument que vous lui apportiez ces produits anti-chiralium aussi vite que possible. Parce que s'il n'avait rien découvert, on l'aurait laissé crever. Pour cette course, vous allez devoir transporter une bombe antimatière. Non, c'est pas vrai. Un paléontologue qui travaille pour Bridges dit en avoir besoin. Apparemment, les fossiles qu'il veut étudier sont enfouis loin sous la poix, et le seul moyen de les atteindre est de l'ouvrir en la faisant exploser. J'avais vu qu'il y avait un truc lourd, mais qu'il n'est pas nécessaire une bombe, de vraiment. Rappeler que vous devez être extrêmement prudent quand vous manipulez des explosifs aussi puissants. Merde. Assurez-vous que cette caisse arrive intacte à destination, quoi qu'il arrive. Ok. Une plaque thermique. L'indispensable des opérations part en froid. Particulièrement utile pour traverser les montagnes enneigées. Alors, dispositif peut être attaché à l'épaule ou à la hanche qui s'activera automatiquement en cas de chute de neige afin de réchauffer les... Ça passe trop vite. Les plaques thermiques permettent de réduire la vitesse de consommation d'énergie sous la neige et d'augmenter la quantité d'énergie restaurée grâce à votre gourde. Elle permet également de se reposer sans mourir de froid. Leur batterie intégrée augmente la capacité globale disponible. Plus vous utilisez d'unités, meilleur sera leur effet. Mais moins vous pourrez attacher les marchandises à votre combinaison. D'accord. J'en mets une. Encore un emplacement. Voilà. J'espère que ça prend pas trop de place. Sam, vous n'avez sûrement pas oublié, mais vous devez faire preuve de la plus grande prudence avec cette bombe antimatière. Ah, eh oui. Surtout si vous utilisez un transporteur ou un véhicule. La moindre anomalie devrait déclencher une alarme. Réagissez en conséquence. Oh la vache. Oh la vache.
Ok, niveau poids, c'est chaud, hein. La moto est quasiment morte. De toute façon, la moto avec la bombe, là... Merci bien. Alors... Peut-être faire tyrolienne, là. Ah non, si, c'est une tyrolienne, si. Faut j'aille ici, d'abord. J'ai ici, du coup, ouais. Commençons par voir si je peux prendre la tyrolienne. Et où aller là-bas. J'ai bon espoir. Sam, alors, Antman nous a tout dit pour le lac. Comment l'attaque qu'il a créée a bouleversé sa vie à jamais. Non seulement il a perdu sa famille dans cette tragédie, mais en plus, il a bien failli y laisser la vie.